retrouvailles congolaises en terre camerounaise. Pour la deuxième édition du BGF Finnois Tour, la première demi-finale opposait Pater Mamata de Brazzaville à Denis Indondo de Kinshasa. Les deux joueurs avaient déjà joué une demi-finale des Jeux africains en 2015 à Brazzaville. Ils se connaissent bien et chacun a le jeu de l'autre en mémoire. Il est 14h45 lorsque Zoumambe Marcelin, l'arbitre, autorise le premier service pour le premier set qui sera très serré et se jouera à un break près. Le Congolais de Kinshasa est le plus costaud et l'emporte 7 jeux à 5. Le deuxième set n'est qu'une formalité, Pater Mamata montrant des signes de souffrance pour une blessure qu'il aurait contractée en cours de match. Des attitudes qui ne déstabilisent pas son adversaire, qui l'emporte encore 6 jeux à 2. En 1h et 44 minutes, Denis Indondo a renversé le géant de Brazzaville, battu 2-7 à 0. Une deuxième victoire consécutive sur les 3 rencontres qui les ont déjà opposées. Denis Indondo file en finale pour la deuxième fois consécutive. Dans l'autre demi-finale, le public a été déçu de la prestation du jeune Duncan Mugabe, l'Ougandais sur qui plusieurs espoirs étaient placés. Le Béninois Alexis Clégou ne lui a donné aucune chance de durer, encore moins de faire durer le suspense. 6-2, 6-1, c'est le score qui a sanctionné la partie. La finale de cette deuxième édition du BGF Finnois Tour sera la même que celle de 2016 qui avait déjà opposé Alexis Clégou à Denis Indondo.